Coucou mes soleils d'amour, j'espère que vous allez bien parce que moi je vais super bien. Nous on va super bien. Freddy, tu dis bonsoir au soleil. Bonsoir les soleils. Voilà, on a une assistante en cuisine. Bébé soleil. Ça va. Elle a peur qu'on l'ignore et bébé soleil n'aime pas qu'on l'ignore. Donc voilà mes soleils d'amour, bienvenue dans ce petit numéro de Dans la cuisine de Laetitia. Ce soir, on va faire les gâteaux. Voilà. Demain, c'est l'anniversaire d'Elsa. Et on va faire une petite fête à la piscine. Du coup, on fait les gâteaux pour les enfants et tout. Donc voilà, on va essayer de faire trois petits gâteaux. N'est-ce pas, Freddy? Bon, deux petits gâteaux. Voilà les moules. Deux petits gâteaux et... Donc voilà. Pour un autre gâteau, nous aurons bien évidemment besoin de la farine de blé. Pour commencer, parce que c'est l'élément de base pour faire un gâteau, il nous faut de la farine. Là, on a la farine de blé, on a le sucre en poudre, on a le beurre, on a un yaourt, on a la levure chimique et le sucre vanillé. Voilà, on a bien évidemment les œufs et la noix de muscade. Voilà, encore on a oublié l'orange, le citron. Pourtant, tu avais mis ça sur ta liste. Mais en partant, j'ai carrément oublié. Oh, ah, ça m'a fait comme ça. On n'a pas le choix. Tu n'as plus acheté le lait là. Ok, d'accord. Mes soins d'amour, comme matériel, nous aurons bien évidemment besoin de la saladière. On aura besoin de ce petit gobelet pour mesurer. On a besoin du fouet, d'un grattoir et de la batteuse électronique. Sans oublier les moules, voilà. Donc la toute première étape, je suis en train de suivre Freddy parce que de nous deux, c'est elle la pâtissière expérimentée. Freddy, tu me dis ce que je dois faire, n'est-ce pas mes soleils? Tu me dis ce que je dois faire. Première étape, je fais quoi? Tu dois prendre du beurre et du sucre. Ok, d'accord. Et qu'est-ce que c'est le gâteau à quoi qu'on fait là maintenant? Gâteau à quoi comment? Gâteau au yaourt, gâteau à l'orange, gâteau au yaourt. Il y a pas de okay. Si, il y avait le citron, gâteau au citron aussi. Oui. Ok, d'accord. Donc, je mets le sucre et le beurre. Mm-hmm. Est-ce que je ne peux pas faire fondre le beurre au micro-ondes et puis je bats? Ça dépend de toi. Il y a d'autres qui font même avec de l'huile d'arachide. Avec de l'huile d'arachide. Ok, donc je mets le sucre. Quelle quantité? Bon, tu me dis... C'est bon. Ok. Donc la moitié du verre du gobelet. C'est bon. Okay. Bon, prochaine étape, je fais fondre le beurre. Je fais fondre tout ça. Bébé soleil. Bébé soleil. Bébé soleil, tu as dit bonsoir au soleil. Bon, tu mets quelle quantité? Le tiers. Donc, voilà mes soleils d'amour. Je suis en train de prendre les cours de pâtisserie. Je ne mets plus. C'est bon. Ok. Je vais fondre ça au micro-ondes. Bon, vas-y, explique. Oui, maintenant. Casser les yeux. Tu ne mélanges pas le jaune du blanc. Donc, je ne sais pas. Je casse ça ici. Non. Cherche, en fait, ce que tu vas faire, c'est quoi? Le blanc, tu vas mettre dans cette partie. Ok. Et maintenant, le jaune, tu ne vas pas. Ok. Donc, j'utilise une deuxième saladière. Prends un couteau. Je mets le blanc ici dedans. Oui. Ok. C'est pas comme ça qu'on fait ça. Hein? Je connais. Ouais. Tu peux faire comme ça, même les hommes avec ça. Voilà, le beurre il est fondu. Je vais essayer de manger chaud comme ça. Je laisse ça refroidir. Ça peut fondre aussi. Voilà. Ok, tu as dit qu'on casse en deux. Vous avez d'amour, j'essaye. Comme ça. Laisse ton côté. Voilà. Oh! Oh! C'est bon.
Bon, je fais combien de... Là, on est déjà à 2. Mes soleils d'amour, est-ce que vous vous rappelez de ça? C'est le cadeau d'anniversaire que Roxane et Brenda m'avaient acheté. Oh. Bon. Chez nous, à Bafa, on dit, oh, moi, je me bois pas. Ça veut dire que quand il y a rien dans le cerveau, non, c'est le corps qui souffre. Et ça veut pas dire que je pouvais incliner comme ça, vraiment. Je suis bien. Je gratte ici et là. C'est bon. C'est bon. Pour le yaourt. On met quelques quantités. La fouille, le bâton. Ok, je mets combien de pieds? On met la farine. Bon, on mesure la farine comme on a mesuré le sucre, c'est ça. Okay. Mes soleils d'amour, j'espère que vous êtes en train de suivre toutes les étapes comme moi. On est à l'école d'apprentissage. Vous savez, on apprend tous les jours. J'ai déjà eu à faire des gâteaux, mais voilà. Je prends toujours du plaisir à apprendre auprès de ceux qui connaissent. Mais Freddy, elle connaît. Bon. On va tamiser la farine. Oui, okay. Bien sûr, je vais manger des choses comme ça. C'est bon, moi je suis capable de lécher tout ça. C'est pas trop sucré, c'est bon comme ça. Non, non, ça va être souple. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on va faire du reste du farine? On peut. Il a même mon idée. Quoi? On fait les beignets avec. Beignets haricots bouillis. Oui. Ok. Mais c'est d'abord, on va faire les beignets haricots bouillis. Ça sera notre numéro dans la cuisine de Laetitia. Voilà. Restez scotché. Scotché. Donc, mes amis, vous regardez, c'est si simple. C'est très facile à faire un gâteau. Il vous faut de la farine. Ça dépend de vous, de farine de blé. Ça dépend de toi. Je peux prendre de l'huile d'arachide et du beurre. Pour badigeonner. Donc, mes amis d'amour, on est à l'étape du badigeonnage. Donc, on va badigeonner. Quoi? Celui-ci, non? Okay. On va badigeonner notre moule du beurre à l'aide de notre pinceau. Il s'agit bien badigeonner. Mm-hmm. Okay. Donc, on y va. L'avant-dernière étape, on met la farine dans le moule. La dernière étape, c'est de poser au feu. Ça chauffe. En principe, mes soleils d'amour, quand on léchait ça comme ça, quand on était petit, on nous disait que ça va gonfler dans notre oui, ventre. Oui, parce qu'il y a la lévure. En fait, les enfants ne peuvent pas consommer ça, comme bébé soleil. Non, quand même. Il ne peut pas. Il y a la lévure. Il n'est pas bonne pour les bébés, les enfants. Oui. Ok. Bon, ça va, c'est bon. C'est moi qui fais le tout aussi. Ok. Tu me vois faire. On voit comment l'élève apprend vite et dépasse même le professeur. Décor. Olinda, vous a contaminé dans la maison si avec son affaire de décor là. Même en commentaire sur Facebook, Olinda met déjà décor. Voilà.
Mes soleils d'amour, si je me souviens bien, la première étape, c'est de faire fondre le beurre. D'amour, je pense que notre premier gâteau il est prêt. Voilà, donc on va vérifier ça. Vas-y, c'est prêt. Très, très. Ok, notre premier gâteau il est prêt, mes soleils d'amour. Oh, voilà, on n'attend pas que ça en foyer. Et bien voilà, mes soleils d'amour, le résultat du premier gâteau. Il est prêt, il est beau, il sent bon et tout. Freddy, tu prends le gâteau pour qu'on voit ce que ça a donné. Joyeux anniversaire. Freddy, Michel. C'est pas ton anniversaire, c'est l'anniversaire d'Elsa et c'est demain. Voilà. Sur YouTube, trop simple. On fait ça comme ça, c'est super. Et après, ma chose, tu es la première à goûter. C'est bon. C'est bon. Bébé soleil. Quand tu vas grandir, tu vas manger faire. Ça va couler dans ton sein quand tu vas. Et bien voilà, mes soleils d'amour. Un gâteau bien fait, c'est bon. Donc, nos deux autres gâteaux sont encore au four. Ça, c'était le goûter. Les gâteaux d'anniversaire sont au four. C'est très bon. Merci pour la recette. Je vais laisser sa main dans le téléphone. Et bien, mes soleils d'amour, voilà. Prenez bien soin de vous. Prenez la recette. Gardez la soleil attitude. On vous aime gros comme ça. Bisous, bisous. Ouais.